passé un très bon moment avec mes copines. Après, je suis rentrée à la maison. Je suis restée avec les enfants. Je suis restée avec Mylon et ses copains. On est allé au lagon. Ensuite, voilà, on a joué au football. Là, je suis en train de faire une petite purée de brocoli. Un petit peu, je les mixe parce que sinon ils sont capables de me dire j'ai pas envie de manger ça. Et là, franchement, j'ai pas du tout envie d'entendre ça ce soir, surtout qu'il va être vraiment fatigué. Donc, mixer, ça passe toujours mieux. Et moi, après, je vais les coucher et je vais aller manger une raclette. Oh là là, je passe ma vie à manger en ce moment. Tu veux quoi, Mylon? Moi. T'en veux plus? Oui. T'as tout fini? Oui. Encore un tout petit peu? Oui. Ben alors c'était bon? C'était très bon? Elle mangeait. C'était très bon? Oui. Oui? C'est le principal, mon fils. Je suis hyper contente, fière vraiment d'arriver avec cette nouvelle incroyable. On en a longtemps discuté au bureau, on ne savait pas comment le mettre en place, quand, etc., pourquoi. Et là, du coup, ben, on l'a trouvé tout simplement pour le mois de décembre. Toutes les commandes qui seront entre le 1 et le 20 décembre, il va y avoir une personne voilà, tirée au sort, c'est sous le contrôle du huissier, hein, je tiens à préciser, c'est pas nous qui allons, pas du tout. Choisie, une personne qui sera choisie. Qui sera la grande gagnante du jeu concours qu'on organise. Donc, je vous explique le jeu concours. Vous allez venir à Dubaï, vol aller-retour, demi-pension, pour 3 jours. Vous allez avoir 2 activités et on va manger ensemble. Oui, vous et moi, avec mon mari, on va se faire un petit resto à 4. On va apprendre à se connaître. Et voilà, donc ça va être trop cool. Je suis trop contente, vraiment. Ça fait longtemps que je veux organiser ce jeu concours. Ce soir, je vais au resto avec une copine à moi. Oui, encore, oui, il n'y a pas mon mari, je m'occupe, je vois toutes mes copines, du coup, c'est trop bien, ça me laisse beaucoup de temps pour moi. C'est toujours des copines différentes, bien sûr. Voilà, donc là, midi, je mange avec un groupe de copines. Là, ce soir, je mange avec une copine. Demain, je mange avec une autre copine et ses enfants. Enfin, voilà, c'est franchement, je vis ma best life. Mon mari, tout à l'heure, on s'est dit, on va se faire, il me dit, bah, ça va, sinon, tout va bien dans ta vie. Je dis, bah, écoute, oui, tu n'es pas là, je profite. Il m'a dit, tu veux que je revienne quand même? Je lui ai dit, encore heureux. Voilà, donc, je me suis préparée. Bon, j'ai vite fait enfiler des claquettes, un jean. J'ai mis une petite chemise par-dessus parce que ce bouton, il va finir ouvert, je vous explique. Comme ça, parce que je mangeais une raclette. Voilà, on adore. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'aime trop. Super canon. Super joli. Venir manger une raclette dans ce contexte, les gars. À 2 doigts d'appeler Père Noël. Mais nous sommes que 2 les gars, nous sommes 2. Par contre, je l'ai trop bien vécu. Je suis aussi luisante que le fromage. Mais regardez, je suis plus luisante que le fromage de raclette. C'était incroyable. Par contre, j'ai chaud là. J'ai défait le petit bouton ici. Je suis parfaite. Oh là là, je vous explique, je suis dans le lit. C'est quoi, chirurgien qui veut du bien? C'est quoi cette série? Mon chirurgien, ça me tente de regarder. Bon, déjà, j'ai fini à la famille presque normale. Je vous explique. Là, franchement, elles sont trop bien passées. La raclette et la fondue, les 2 sont hyper bien passées. Je me sens bien. J'ai enfilé mon pyjama. J'ai mon ventre, il a pris 4 cm de tour de taille. Mais c'est pas grave, faut kiffer. J'ai enfilé une culotte de règles, j'ai pas mes règles, mais je me sens trop bien dedans pour dormir. D'où le fait que je peux pas vous soulever, vous montrer, je suis trop bien. Ah, je vous souhaite à tous une très belle nuit, une très 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 belle soirée. Et je vous dis à demain. Demain, j'ai un anniversaire des enfants.
anniversaire de Mylon. Heureusement que j'ai mon driver qui est allé me chercher des cadeaux ce soir. J'avais complètement zappé. Tout à l'heure, je regarde et d'un coup, je vois anniversaire. Et j'avais zappé d'aller chercher les cadeaux. Heureusement que je l'ai vite envoyé. J'ai dit, tu peux aller me récupérer un cadeau, petit garçon. Il m'a envoyé les photos, les vidéos, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est bon. Ça stresse de moi, puisqu'ici, tout, genre vers 10h. Donc, l'anniversaire est à 10h. Donc, même si je le serais levé à 7h, enfin, 7, comme d'habitude, là, au final, j'aurais plus rien pu acheter parce que tout est fermé. Allez, à demain. Oh, je sais que vous allez tous bailler avec moi là.